Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Depuis plusieurs mois déjà, Cambly est mon partenaire. Si vous êtes sérieux à propos de l'apprentissage de l'anglais, je ne saurais trop vous recommander d'utiliser les services de Cambly. D'ailleurs, je vais vous les faire voir un petit peu. Et si vraiment, cette rentrée, vous avez envie d'apprendre l'anglais, alors sachez qu'en utilisant mon code, que vous voyez inscrire ci-dessous et dans les liens en description, vous pouvez obtenir des minutes gratuites et jusqu'à 50% de réduction sur votre abonnement. Maintenant, regardons comment on peut apprendre des mots de vocabulaire anglais beaucoup plus facilement. C'est parti. Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, pour cette nouvelle saison de Potions de Vie. Bienvenue, et cette semaine, je voulais commencer l'année par quelque chose qui revient très souvent. J'avais envie de traiter une vidéo sur comment apprendre facilement le mot de vocabulaire en anglais. Donc, je parle de l'anglais, mais la plupart de mes conseils, la plupart des conseils que vous trouvez dans cette vidéo sont également applicables à d'autres langues. Une petite info comme ça avant de commencer, sachez que mon livre Concentration, vous pouvez le trouver ici et maintenant, traduit en espagnol avec le joli mot de concentration. Je sais pas si je prononce juste justement. Alors lorsque les gens souhaitent apprendre une nouvelle langue, à chaque fois ils font la même erreur, c'est-à-dire qu'ils se dirigent naturellement vers les applications qui leur permettent de mémoriser des mots de vocabulaire et qui les testent plus tard pour voir s'ils ont bien retenu les mots. Eh bien ceci est un piège les amis. Même si les fondements des applications sont bons, c'est-à-dire qu'ils vous font réviser selon la courbe de l'oubli des Binghaus, on en parlait dans une vidéo précédente pour comment mémoriser à long terme, il n'en reste pas moins que pour apprendre une langue, ce type d'apprentissage, seulement les mots de vocabulaire, est une erreur parce qu'elle ne vous fait pas vraiment apprendre la langue, elle vous fait juste apprendre des mots et c'est une grosse différence lorsque vous avez besoin d'apprendre rapidement une langue pour évoluer dans votre carrière par exemple. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est une erreur? Une chose, je ne dis pas qu'utiliser ces applications est mauvais. Elles sont bonnes pour apprendre le vocabulaire. Mais si vous souhaitez avoir une démarche vraiment sérieuse à propos d'apprendre une langue, si c'est autre chose qu'une langue passe-temps mais que vous en avez vraiment besoin dans votre travail, alors vous allez devoir utiliser une approche un peu plus complète. Pourquoi l'approche simplement par application ne marchera pas pour vous? Parce qu'elle a un effet pervers sur votre cerveau qui est celle de l'illusion d'apprentissage. Je m'explique. Vous voyez des mots arriver devant vous, vous les apprenez, vous essayez de les mémoriser peut-être par une image mentale, peut-être grâce à une technique d'association de mémoire, et lorsque l'application vous reteste quelques jours après, ou même le soir même, quelques heures après, vous êtes capable de restituer ce mot. Et ça vous donne l'illusion d'avoir appris un petit peu plus de la langue anglaise. Ou de n'importe quelle autre langue d'ailleurs. Le problème, c'est que vous n'avez pas la grammaire qui va avec, vous n'avez pas le contexte qui va avec, et il y a de grandes chances pour que le mot que vous ayez appris, eh ben, vous ne l'utilisiez pas. Au bout d'un moment, vous l'avez mémorisé, mais comme vous ne l'utilisez pas, votre cerveau va tout simplement le mettre à la benne, c'est-à-dire il va l'oublier. C'est un processus qui est tout à fait naturel. On oublie de façon tout à fait naturelle. Donc vous l'avez compris, d'une façon un peu indirecte, je vous dis que si vous voulez apprendre, il faut utiliser. Et c'est là qu'on en vient à mon deuxième point. Alors pour aller un petit peu plus loin sur la route de l'apprentissage, j'ai décidé d'utiliser et de pratiquer les services de Cambly, mon partenaire, en me faisant passer pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en anglais et afin d'avoir un petit peu un aperçu sur une autre façon d'apprendre. Can you hear me? Bah oui, oui. Oh, you speak French? Oui, je vous entends. So how would someone learn English the right way? There's just one word, Jean-Yves, practice. Because practice makes confidence, you know, breeds confidence. You don't need a native speaker to learn English. Okay. You've got what we're doing now. You've got the internet, haven't you? You've got books, you've got radio you can listen to, BBC World Service. I always recommend that to people. I want to learn a lot of vocabulary, but I can't help but forgetting them. What should okay, I do? Well, listen, on here on Cambly, there's a lot of lesson plans we could follow. I've got loads of exercises, vocabulary thing I'll just show you. You know, I need a drink. You know, I'm thirsty. No, I'm not. I'm thirsty. Yeah, okay. I'm not 30, I'm thirsty. And would you say I should better learn grammar, or should I focus on vocabulary first? I don't think it really matters. I think the vocabulary comes with any grammar exercises you do anyway. Mémoriser les mots, c'est bien, mais comme vous l'avez vu, après avoir échangé avec ce professeur, l'important, c'est de passer à la pratique. Alors lui, ce qu'il m'a montré dans son partage d'écran, c'était un site extérieur qui vous faisait un petit peu vous interroger sur quels mots vous devez
remplacer quand vous avez un texte à trous, par exemple. Les textes à trous, c'est une très bonne idée, même si ça peut vous paraître un petit peu scolaire. Si vous en trouvez sur des sites externes, c'est très très bien, ça peut vous aider à progresser comme ça et à ne plus faire de fautes sur les mots à utiliser. Mais moi, j'aimerais porter un petit peu plus loin et vous donner d'autres conseils pour mémoriser les mots en anglais. C'est déjà, dans un premier temps, c'est de faire fonctionner toutes vos mémoires. Et là, on passe au deuxième piège. Beaucoup de gens se plaignent qu'ils ne retiennent tout simplement pas les mots de vocabulaire, ils doivent constamment les réapprendre, etc. Si vous êtes dans cette situation, eh bien, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous n'utilisez qu'une seule type de mémoire. Par exemple, lorsque vous avez un mot, lorsque vous êtes confronté avec un nouveau mot d'anglais que vous souhaitez apprendre, votre premier réflexe, ça va être de le regarder et puis d'essayer de l'assimiler comme ça. Si vous utilisez une application d'apprentissage de mots sur le téléphone, vous allez également à voir le mot et voir peut-être une image qui le symbolise et lire peut-être quelque chose qui est en rapport avec ce mot et vous allez essayer de le mémoriser comme ça, de façon visuelle. En fait, en faisant ça, vous ne faites qu'utiliser la partie visuelle de votre mémoire. Et moi, ce que je vous dis, c'est que pour mémoriser un mot de vocabulaire anglais, vous devez aller bien au-delà qu'utiliser une seule partie de votre mémoire. Vous n'utilisez que 30% de votre mémoire, pourquoi ne pas en utiliser 100%? Alors, quels sont les autres 70% restants? L'autre partie de votre mémoire, c'est la mémoire auditive. Donc, si vous voulez retenir un mot ou que vous voulez apprendre, pourquoi ne pas tout simplement déjà vous entraîner à le prononcer à voix haute? Même si vous êtes seul chez vous, même si vous n'avez pas de natif anglais à proximité. Le fait déjà de vous entendre prononcer à voix haute un mot anglais ou pas, et c'est là que les profs de Cambly peuvent avoir également une influence, c'est-à-dire vous corriger lorsque vous faites des fautes de prononciation. Vous avez la phonétique, c'est bien, mais avoir un prof qui vous corrige, c'est encore mieux. Bah là, ça va vous permettre de beaucoup mieux le mémoriser et de créer des clés d'accès à votre cerveau qui va ainsi pouvoir... S'il cherche comment on dit tel mot, il va pouvoir se référer à ce qu'il avait vu, mais il va également pouvoir se référer à ce qu'il avait entendu. Et ça va lui faire autant d'indices possibles pour retrouver le mot que vous cherchiez. Et enfin, l'autre partie de la mémoire que vous n'utilisez peut-être pas assez lorsque vous avez cherché à apprendre des mots de vocabulaire, c'est la partie kinesthésique. Alors c'est quoi la partie kinesthésique? C'est la mémoire des mouvements. En fait, lorsque vous écrivez quelque chose, vous le retenez beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais le fait d'écrire quelque chose sur cahier, par exemple, vous fait le retenir beaucoup mieux que si vous le tapiez à l'ordinateur ou si vous le lisiez juste. En faisant fonctionner vos trois mémoires de concert et en ayant, si possible, la pratique de l'anglais avec un natif, vous allez ainsi progresser plus vite. Une autre technique que je vous recommande si vous voulez apprendre des mots de vocabulaire, c'est de ne pas apprendre des mots tous azimuts, mais plutôt de cibler exactement ce que vous voulez apprendre. Et par là, je veux entendre de cibler un champ lexical. Imaginons que vous ayez envie ou que vous ayez besoin d'apprendre l'anglais parce que vous voulez avoir un nouveau poste. Vous allez apprendre des mots spécifiquement destinés à ce poste. Vous allez faire une recherche sur tous les mots qui sont utilisés par tel poste que vous ciblez, les responsabilités, parce que si un jour vous passez un oral, si un jour vous passez un entretien, ça va être sur ces mots-là que vous allez être interrogé ou que l'on va vous poser des questions. Donc la première chose à faire, c'est de cibler au niveau business, au niveau professionnel, les mots que vous voulez utiliser, les mots qui vous seront utiles, même si pour l'instant ils vous sont un petit peu étrangers. Lorsque vous utilisez des mots comme ça très ciblés dans un champ lexical précis, par exemple le restaurant, les études, le travail, la vie quotidienne, eh bien, votre cerveau utilise beaucoup moins d'énergie pour mémoriser et donc votre mémorisation est grandement améliorée. De plus, il est beaucoup plus facile pour lui de créer des liens entre tous les mots de vocabulaire. Une dernière chose à propos de mon partenaire Cambly, sachez que pour moi, ce site s'adresse à des gens qui sont vraiment sérieux à propos d'apprendre l'anglais. Vous ne devez pas avoir une approche dilettante et avoir une approche un petit peu passe-temps comme ça, c'est si vous voulez vraiment apprendre la langue. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de l'apprentissage de l'anglais, je ne saurais trop vous recommander de vous référer aux masterclass que vous trouvez dans la playlist du Lab. Donc si vous êtes membre du Lab, vous pouvez avoir toutes les masterclass, dont celle qui est spécifiquement sur l'apprentissage des langues comme l'anglais. Vous pouvez également retrouver toutes les vidéos que j'ai faites sur l'apprentissage de l'anglais. Celle-ci, il s'agit de la sixième, je crois, celle-ci. Et les interviews que j'ai faites sur des experts, sur les gens qui parlent déjà anglais depuis de nombreuses années, qui pourront vous donner d'autres conseils pour aller plus loin. Si vous aimez mon travail, merci infiniment pour votre like, pour votre partage. Manifestez-moi votre soutien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que à partir de maintenant, on reprend une vidéo par semaine. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !